Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce journal culturel de Télésud. Nous allons commencer par un événement qui est le premier événement ici à Paris d'une structure de production. Avant Charlotte et Dallas aux États-Unis, le pasteur Roy Bondo et son épouse Mariam répondent aux sollicitations des fans de la musique gospel Made in RDC. Les têtes d'affiche du label Majabou Gospel vous donnent rendez-vous pour la toute première fois ce dimanche 16 juillet à 16h au Casino de Paris. Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach. Majabou Gospel vous ramène ses artistes en Europe pour la toute première fois. Rendez-vous au Casino des Paris, où c'est 16 juillet 2023 à partir des 16h. Je me donne moi-même, je m'abandonne à toi. Fala babili babika, au Casino des Paris, c'est 16 juillet 2023 à partir des 16h. Majabou Gospel. Les critiques sont dithyrambiques à propos de Bestido de Amor, le nouvel album du chanteur, compositeur, écrivain, journaliste brésilien Chico César. Fluide, inventif et profus, Bestido de Amor, le 10e album studio de Chico César, creuse le sujet du panafricanisme, cette fois du point de vue de la diaspora. Sous ses airs de grande légèreté, le chanteur est très engagé pour l'unité véritable du peuple noir, qui pour lui est large, un et indivisible. Bien plus que des duos, Salif Keïta et Ray Lema, deux grandes personnalités de la musique africaine, viennent enrichir et attester les propos de Bestido de Amor. Avant d'occuper la scène du studio de l'Ermitage le jeudi 20 juillet, Chico César et Salif Keïta nous gratifient de Sobre Humano. Sem prazo nem prazer, só esperar. Sem tempo pra perder, nenhum engano. Agora é só você e o próprio ar. Emela iribe iribete, e calona que passe badi. Emela iribe iribeba. Ikalo ona basi baye emana yiribe yiribe tege vagina yelo na ke basi badi emana yiribe yiribe bon ikalo na ke basi bari De l'Afrique en passant par les Caraïbes auxquelles le rattachent ses ascendances haïtiennes et portoricaines, de la Zydeco de la Louisiane à John Cage, de Beethoven à Madonna, de Louis Armstrong, Charlie Parker à la Zulu Nation, Basquiat Soundtracks est la première exposition consacrée à la puissante relation à la musique des œuvres du natif de Brooklyn, Jean-Michel Basquiat, qui nous a prématurément quittés à l'âge de 28 ans. Les influences musicales qui ont inspiré certaines œuvres de l'enfant rayonnant s'offrent encore à vous jusqu'au 30 juillet à la Philharmonie de Paris, dans le 19e arrondissement. Check it out. I got 81 rhyme for 81 Jews, a 81 room mansion, 81 food, 81 scholarship from 81 school, but I gave all 81 to 81 food. 81 things changed with 81 rings, took 81 crowns with 81 kings, did 87 shows in
81 nights, cleared 81 grand in 81 nights. 81 limousines, 81 garages, 81 beats and master charges. Brought 81 girls down to the knees. Sucker MC, blind 81 women. C'est dans le cadre de la plus belle péniche de France, le Diamant Bleu, que l'autrice de Simplement et de l'envoûtant No More, celle qui occupe depuis ses premières productions une place de choix sur la scène musicale afro-caribéenne, Milka et ses musiciens donneront à Ivry-sur-Seine le 17 août le ton de la 6e édition de l'Eiffel Tower Kizomba Festival. Chanteurs, chorégraphes et DJ vous feront vivre et vibrer au rythme du compas, du zouk et du kizomba du 17 au 21 août à travers le nouveau concept de l'Eiffel Tower Kizomba Festival. Baby, beige. Suite avec la sublime Milka, ce sera donc le 17 août à Ivry-sur-Seine. De leur création à leur usage religieux ou sociaux, les objets issus de la culture africaine ont connu plusieurs étapes dans leur vie. Puis d'autres vies se sont offertes à eux, en Afrique et au-delà. Débuté le 9 juin au musée des Confluences à Lyon, au 86 quai Pérage, l'exposition Afrique 1000 vies d'objets revient à travers de nombreux trésors d'Afrique subsaharienne en s'intéressant aux trajectoires de vie de plus de 230 objets rituels, statuettes et autres figures d'hôtels originaires du Cameroun et du Nigeria. L'exposition Afrique 1000 vies d'objets s'achèvera le 18 février 2024. Elle était censée être une bonne femme au foyer, conforme à ce que la société attend d'elle. Mariée à 17 ans, dans le cas d'un mariage forcé, rien ne la prédestinait à devenir écrivaine et pourtant, c'est avec l'écriture que Djaili Amadou pense les mots de son douloureux passé. Née dans l'extrême nord du Cameroun, Peul est musulmane, elle a été révélée en France avec son roman « Les Impatientes ». Couronnée par plusieurs prix littéraires, dont le Goncourt des lycées en 2020, traduit dans une vingtaine de langues. Pour son quatrième et nouveau roman, Djaili Amadou traite de la condition de la femme dans le Sahel à travers la vie et le quotidien des domestiques. Elle marque ainsi, à travers les 288 pages de son récit, sa détermination et son engagement contre les injustices faites aux femmes. Cœur du Sahel est paru aux éditions Emmanuel Colas. Pour le trio Joachim Desormeaux, Thierry Vatton et Arnaud Dolmen, qui ne fait qu'un désormais, ou c'est moins, la quintessence et l'énergie qu'offre la quintessence. Ok. Tu fais comme tu veux, tu fais vidéo et puis on est parti. C'est là.
Pour le trio Joachim des Ormeaux, Thierry Vatton et Arnaud Dolmen, qui ne fait qu'un désormais, ou c'est moins, la quintessence de l'énergie qu'offrent les créations musicales est une affaire de patience et de longueur de temps. Ces deux facteurs les ont réunis dans un laboratoire d'expression humaine et artistique et a permis au créole jazz et au conte de se rendre compte de leur merveilleux tandem. Après les deux premiers actes de la trilogie, Joachim, Thierry, Arnaud ont revisité Pays moins joli en compagnie d'Olivier Bertrac avec l'approbation du boss Mario Canonge. Pays moins joli est le premier extrait des quatre titres du troisième et dernier volet de cette trilogie. C'est bon, moi. Et c'est là mon pon l'idi moi, c'est là il sec. C'est là en bas trois têtes d'achine, mon setin, moi m'en tire l'ombrique moi. Ma cavier dix autres, moi bien trois de l'eau, mais. Ma poko est d'autre côté, il n'y a tellement l'amour. Il n'y a tellement l'amour qu'en pays moins, faut vivre quand même. Parce que si vous parlez sali, eh ben, parlez mariage moi tout. C'est pays moins, c'est la caille moins. C'est là, moi le viré. Pas chercher. Passe pays moins. Pays moins toujours dans tiens moi. On peut qu'épé, on peut qu'épé, retenir moi plus longtemps. Pas chercher plus loin. Yo dis moi faut partir, si vous reconnaître la vie. Ici, ici ou pas qu'à épanoui. Alors m'oublier, l'idée, comment c'est la sève. Et la force pays moi. Et que c'est puis l'idée moi que pays moi peut avancer. Et que c'est ensemble, ensemble que nous peut avancer. Pays moi. Man, I think we got something. C'est la phrase du légendaire producteur et rappeur américain Timbaland et elle est adressée à un artiste émergent, Yamé Bantou. Ses mélodies au perché, sa voix atypique et ses influences soul et R&B ont déjà commencé à bâtir son succès sur les réseaux sociaux. Yamé a hérité de deux passions qui rythment aujourd'hui sa vie, l'informatique de par sa mère et la musique de par son père. Avant sa performance au Trianon le 22 février 2024, nous vous invitons à offrir de bonnes et belles perspectives à la carrière de l'artiste franco-camerounais Yamé Bantou, en consacrant nos bonnes oreilles à ses productions, dont Bécane. Tu Bantou me parle pas de pas années, on n'est pas venu ici pour se pavaner. Remballe ta CG, mais cessez. Je tourne la poignée, je froisse le temps. Je roule comme si quelqu'un m'attend. Puis je cale le pétard entre mes dents. Bah ouais, bah ouais. J'sors la bécane, di di de de. J'fous la peur. J'm'en bats les couilles, c'est dangereux sa mère. J'vois que t'es pas au départ ou en fer. La bécane crie et j'sors de l'enfer. Sur un gros fer, bah ouais. J'sors la bécane. La craide a focalisé. La haine que je ressens dans mes pensées. Dans ce business balisé. Ah ouais. Chant la bécani, cani. Ouh. Et chant la bécani. Vidéo extraite de A Colors Show.
De la trentaine de maisons de mode présentes à la dernière Fashion Week de Paris, Elisabeth Bouteiller, journaliste et présentatrice bien connue de vous, a succombé à la dextérité des créateurs réunis par l'Oriental Fashion Show et aux créations de la maison Imanaïsi. Des coulisses et des podiums, Elisabeth partage avec nous sa belle et inoubliable expérience. Du lundi 3 au jeudi 6 juillet, Paris accueille la Fashion Week Haute Couture automne-hiver 2023-2024. Pour ce rendez-vous incontournable, une trentaine de maisons de mode ont fait leur défilé cette saison. Durant ces 4 jours, la capitale vibre au rythme des shows Haute Couture où de nombreuses stars venues du monde entier se pressent d'assister. De nombreux designers du monde entier viennent à Paris pour se faire connaître. L'Oriental Fashion Show existe depuis 20 ans maintenant et la particularité de l'Oriental Fashion Show, c'est qu'une mode à part. On présente des designers qui ont des styles différents, qui s'inspirent de leur culture, des traditions, ils font revivre les traditions du pays, de leur pays, et ils essaient de préserver les savoir-faire qui sont en voie de disparition. L'Oriental Fashion Show leur permet d'avoir une tribune d'expression pour pouvoir exprimer tout l'art et toute la culture qui est en eux et qui essaient de partager avec le reste du monde. Et moi, j'estime qu'il n'y a pas mieux que la mode pour faire passer des messages. C'est la maison Iman Aïssi qui a fait son défilé ce matin. Le créateur a été inspiré par un peintre de culture russe, Paul Shmarov. La volonté du créateur était d'utiliser des matières en limitant aussi l'impact environnemental. Dans cette collection ont été utilisées des fibres naturelles, dont le lin, sans doute la fibre la plus écologique, en association avec la soie ou la viscose de bambou. La fabrication a un très faible impact écologique et biodégradable. Et comme toujours chez Iman Aïssi, des fibres et des textiles du continent africain, comme le raffia, le lobum, qui est une écorce d'arbre tapé, le basin teinté ou le kente. Cette année fut une collection dédiée aux artistes. C'était la grande tendance de cette semaine de la haute couture. Merci Elisabeth Bouteiller. Merci de nous avoir suivis, amis téléspectateurs. Nous vous disons bonsoir, culturellement parlant. À bientôt.